Et pas d'intro. Bonjour. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Aucun respect, pas d'intro. Et nous sommes sur une petite partie tranquille ou modée. Comme d'habitude, vous connaissez les bails. Et là, il y a beaucoup de modes. Beaucoup de modes, donc je sais pas du tout ce à quoi on va être frotté. Mais voilà, il y a des nouvelles musiques, il y a des nouvelles salles, il y a des nouveaux ennemis, il y a des nouveaux objets. Laisse tomber. C'est un tout nouveau jeu qui s'offre à nous. Oh putain, déjà, ça commence avec le bordel. Voilà, on a des nouvelles mouches qui donnent 3 milliards de mouches. Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est normal? Ah, ça a pris. Voilà, d'habitude, tu commençais le jeu, t'avais 2 mouches. Là, t'en as 30 millions. Dans la première salle. Hein. Alors, autant la partie de tout à l'heure, elle était rapide, autant celle-là, je pense pas qu'elle soit aussi rapide. Hein. Et on a des pièces rouges, qui sont des pièces négatives. En fait, tous les pick-ups peuvent être rouges, donc ça peut être des trucs négatifs qui t'enlèvent des pièces, des bombes et des clés. Généralement, quand t'es pas con, tu fonces pas dedans, mais quand tu fais pas attention, tu peux te retrouver comme un con. Donc c'est une combinaison de modes qui fait qu'on va avoir plein de nouveaux objets, et celui qui va surtout changer tout ce qui est graphisme, etc., c'est le mode Harvester qui va... écoutez, foutre le bordel, hein, je viens de le lire, tout simplement. Je sais pas comment marche le doigt. Comment marche le doigt déjà, j'oubliais. Les mouches Tetris. Oui, c'est vrai, un peu. Un petit peu, les mouches Tetris. Une TG. TG. Le doigt, en fait, ça fait mal ou pas? C'est une double clé, apparemment. J'apprends. Donc voilà, je suis désolé hein, pour le... pour la soundtrack de ce mode, qui n'est pas... n'est pas très adapté à Isaac, je trouve. Les mecs, ils ont fait une soundtrack exprès pour leur mode, mais bon. Il y a mieux. Hein. Ah, on se souvient de l'extraordinaire soundtrack de... C'était quoi, c'est Antiburst? Ça s'appelle, hein? Ah, Antiburst, putain. La soundtrack de Antiburst, ça, c'est une vraie soundtrack. Et ça, on aime. Mais ça, voilà, quoi. D'où ce qu'on vient d'entendre, c'est du Isaac. Moi, je dis non. Moi, je ne suis pas d'accord. Le doigt, ça fait des dégâts sur ce que tu pointes. Ouais, certainement, mais... faudrait que ce soit un petit peu plus flagrant, quoi. Parce que là, pour l'instant, les dégâts, je les ai pas trop remarqués. Mofembulef. C'est quoi cette musique? On dirait du dubstep mal fait. Et là, c'était du dubstep mal fait. Ce n'est pas vraiment ce qu'ils ont voulu faire, à mon avis. Ah, on est toujours dans le basement. Ok, pourquoi pas. Bon, ça me va, hein. Parce qu'il y a vraiment pas mal d'étages spéciaux. Il me semble qu'il y a aussi des nouveaux curses, etc. Enfin, il y a plein de bordel, hein. Je sais pas sur quoi on va tomber. Enfin, pour le coup, j'ai pas mis de seed. Ah, une nouvelle machine. La machine du lait. Alors, c'est une machine un peu chelou qui fait qu'en fait, lorsque tu donnes du pognon et tout... Bon, là comme j'ai pas de pognon, ça marche pas. Ça fait quand même l'animation, mais ça marche pas. Hein. Quand tu mets du pognon dedans, t'as une chance d'avoir un lait. Parce que là, il n'y a pas que le soy milk, que le lait au chocolat, tout ça. Il y a plein de nouvelles variétés de lait qui font plein de bordel. J'en avais une, c'était l'enfer. Je ne me souviens plus du nom, ni vraiment comment je pourrais vous décrire l'effet, mais c'était l'enfer. Ah si, je crois que j'ai vu les dégâts du doigt. Genre, quand on pointe, ça fait quelques petits dégâts, mais c'est vraiment pas ouf. Ok. Salut Thomasilla. Oh, regardez. Incroyable. En fait, c'est comme si ça faisait des tout petits tirs en horizontal, quoi. Des tirs invisibles à l'œil nu qui font un petit peu mal aux ennemis. Pas beaucoup. Vite, tuez-le. Merci. Vous êtes chaud ce soir dans la boîte de nuit lunatique. Elle est pas trop boîte de nuit comme ambiance, quand même. J'ai connu plus ambiançant. Oh non, pas lui. Passe au toit. Personne ne t'aime. Non mais personne ne t'aime. On doit la vie. Mais oui, mais je ne t'aime pas. Je viens de te le dire. Ouais, c'était un boss d'une tristesse incroyable. C'est bon. On aura sauf. On n'a pas tout fait. Ce serait dommage de passer à côté de certains trucs sympathiques. Alors ça, j'ai pas compris. Hein. Ça, c'est un nouveau type de batterie, mais... Qu'est-ce qu'elle fait? J'en ai aucune idée. Ça recharge la barre.
Alors, j'ai une hypothèse comme quoi ça rechargerait 2 barres si on a 2 barres de chargement. Mais comme c'est pas tous les jours, bah j'ai jamais pu vraiment le savoir. Et si jamais c'est le cas, c'est complètement pété hein, comme objet. Comme pick-up, plutôt. Ça fait un peu boîte de nuit les Sims 2. Ah ouais? Putain, vache. Ils savaient pas trop ce que c'était une boîte de nuit dans les Sims 2 quand même. Hein. Oh zuz. Du coup, on a tout fait. Allez, on tente. On tente pas finalement. La salle secrète. La salle de la secrète, elle est où? Elle est pour là. Donc je pencherai pour là. Wow. Yes. Salut, bout de merde sèche. Très joli pseudo. C'est dégueulasse! Là, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe dans la tête de l'auteur. Le sac des sacs. Le sac des sacs, ça oui. Donnez-moi FL Studio. Donnez-moi FL Studio, je vous compose mieux, vraiment. Les gars, ils ont pété un câble. Ils sont dit, oh non, on va faire une musique, mais elle sera nulle. Voilà. Oh, j'aime pas les salles secrètes, fais une musique de merde, s'il te plaît. Bon, écoutez, voilà, on ne juge pas. On ne juge pas les mauvais soundtracks. Dit-il en jugeant très fortement. Ah, des cœurs bleus, merci. Donc là, on est où en fait? Caves 2, Caves 1, pardon. Donc pour l'instant, j'ai pas eu l'étage DLC. J'ai que les étages normaux, avec juste un petit ricola. Et on voit vraiment que les dégâts du doigt sont pas fous. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'ai ce sao. Better Call Sao. J'ai Soldoman, très bien. Je repousse les tirs ennemis. Parce que... Merci. Donc il y a des nouveaux monstres que vous avez jamais vus, hein. Ne paniquez pas, c'est un mode. Juste pour pas que vous soyez en mode... Je sais plus si tu sais que ça... Allez, on s'use. On y va, let's go. C'est parti les amis. Oh, quelle merde. À tous les coups, c'est de la merde. Ah bah super discret le démon. Ah bah super, bravo. Si t'as arrêté de chier partout sur ton passage, on ne verrait peut-être pas, mais là, c'est un peu raté. Un petit peu raté l'effet de surprise, mec. Très très bel objet. Super. On s'éclate. Encore une fois, la soundtrack est aux petits oignons. Oh, quel OST de merde. Je suis vraiment désolé à celui qui l'a composé. Hein. Il ne parle certainement pas français. Mais... Quelle horreur. Ça c'est un tuyau, il me semble, pour aller directement à l'étage suivant. Est-ce qu'on a envie de faire ça? Je ne crois pas. Ah, il a usage unique. Ok. Je pense qu'on y retourne, il n'est plus là. Bon, écoutez, je m'en fous. J'ai pas envie de passer le niveau maintenant, on va dire. Voilà. Plage à Mario. Bah ouais, mais voilà. S'ils avaient pu faire le même soundtrack que dans Mario, ça aurait été sympa. Mais là, pour le coup, on n'y est pas. Hein. Ça sautante. Ça sautante. Attendez, attendez. C'est passé quoi dans leur tête? J'aurais sondu, oh, il est entré dans un donjon, là, il va y avoir 3 vagues de monstres, il faut mettre une musique super stressante. Non, c'est carrément pas stressant au point de mettre une musique comme ça, les gars. Salut dans Zolwyn. Ah, je la mets fort juste pour le combat, parce que c'est incroyable. Je suis en train de te Si. Vraiment. Genre très fort.
très très fort. Mm-hmm. Non mais les gars, on dirait qu'on est dans une mission d'infiltration là avec leur musique. Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que j'ai comme objet là? Cette musique, putain. Mon dieu. Il y aura drop the bass. Un peu ridicule, mais il y aura drop the bass. Et voilà, ça se termine là-dessus, sur un broutage qui finalement n'avait pas du tout sa place. Ok, bah merci. Merci pour la soundtrack, hein, vraiment. On dirait une vieille musique d'un mauvais jeu sur Atari. C'est vrai. Bon, par contre, est-ce qu'on peut m'expliquer genre AVGM? En gris, vidéo game Murd. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu l'avais déjà eu, non? Je sais plus, oui, mais ça me donnait pas autant de trucs. Genre... Gros gameplay. 2017, le jeu vidéo, bonsoir. J'espère que vous appréciez. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Les visiteurs. Le gameplay des visiteurs. C'est quoi cette merde? C'était beaucoup plus sympa la première fois. Nous, on a plus que du pognon, finalement. Ça sert à quoi les pièces bleues avec une aura rouge? Ça t'enlève une pièce, en fait. C'est des saloperies de pièces. Mais je trouve que c'est un peu con d'avoir fait des pièces négatives aussi obvious. Regardez, on va tester. 24. Hein? Ah! Ah d'accord, c'est des pièces qui tout doublent en fait. J'avais jamais remarqué. Donc c'est des pièces qui tout doublent en gros. C'est si t'en prends une, soit t'en gagnes deux, soit t'en perds une. Ok. Écoutez, journée, 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 oui, 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 oui. J'ai l'impression que plus on en abuse, moins il y a de trucs, hein, quand même. C'était beaucoup plus généreux au départ. C'est quand même toi logique, mais c'est quand même chelou comme principe. Ah ouais, bon, ça m'a saoulé. Allez, salut. C'est abusé comme truc. Les pièces rouges, c'est 50% de chance de donner une pièce ou de t'en enlever une. Ok, ouais, ouais, c'est ce qu'on vient de voir, effectivement. Je m'en suis trompé. En fait, moi, à chaque fois que j'en prenais une, je perdais une pièce, donc bon, j'étais un peu dingue. Au bout d'un moment, j'avais arrêté, quoi. Oh oui! Non, en fait. Quoi? Pardon? Ah non, toi, bien. C'est mes yeux qui me jouent les tours. Il est sur quel mode? Beaucoup trop de modes à la fois pour que je te fasse la liste. Mais le mode qui change le plus le jeu, comme vous pouvez le voir actuellement, c'est... Panic of Isaac the Harvester, je crois, un truc comme ça. Avec le merveilleux accent anglais qu'il m'est donné là-bas. Wheel of Fortune. Allez. Ah oui, on va peut-être remettre la musique à un niveau acceptable pour les oreilles. Allez. You can do it. Believe in you. Sur le mode musique de merde. Vous êtes méchant avec la musique de jeu, je trouve. Certainement pas moi qui dira du mal de musique. Ah, rendez-moi l'effet de studio. Magicien des ténèbres. Ermite Death. Henri Death. Oh, les ermites déjà. Qu'est-ce que... C'est quoi cette musique encore? Mais en fait, vous savez, instaurer une ambiance avec une musique ou pas? On dirait qu'ils... On dirait qu'ils avaient un pote qui était là. Hey mec, t'as écouté mon nouvel album de musique pour un jeu indé? Bon, je débute, hein, mais voilà, tiens, je te donne trop de musique dans un zip. Et le gars s'est dit, oh putain, il faut des musiques pour mon Isaac, je sais pas faire de musique. Oh vas-y, je vais prendre l'EP de mon pote. Qu'est-ce que c'est que ce papier? J'en sais pas. Je crois que c'est de la merde, me semble-t-il. Je vais pas le prendre. Par contre, le cœur, oui. Et voilà. Voilà, voilà. Hein? Tire des lasers?
Oh les saloperies. Ah c'est trop bâtard. Oh les zéniths bâtards. Pas mal ça veut dire. C'est pas ma hanche. Ok. Ah merde, il y avait une salle sous cléette. Ah, solo Jean-Michel Jarre. Ah non, Jean-Michel Jarre, il faisait mieux que ça. Non, c'était pas Jean-Michel Jarre, quand même. Ah, pestilence. En fait, je suis en train de me rendre compte que mon stuff est franchement pas ouf. Faut quand même le dire qu'on s'en a un peu. Merci. Oui, je sais ce qu'il fait, mais j'ai pas envie. À quel moment cette partie de la musique, ça t'évoque un combat important contre un boss? J'ai l'impression que c'est la musique d'un mauvais mème sur internet. Vous savez, genre Shooting Star par exemple. Bah voilà. C'est le nouveau Shooting Star. Shooting Star 2.0. Pas ouf ça non plus. Deuxième Cube of 8 PK pas, mais bon. J'aimerais bien devenir un peu plus puissant si ça vous dérangera pas. C'est pas ouf, pas ouf, pas ouf, pas ouf. C'était quoi l'objet déjà? C'était de la merde. Maintenant c'est moins de la merde. Qu'est-ce que. Ah, c'est un nouvel objet, ça aussi du. Alors, c'est pas du tout du mode Ruster ou du mode Alpha Burst. C'est du mode. Isaac's Dojo, je crois. Bandana. Je sais pas du tout ce que ça fait par contre. Salut Anemon Prune, les zombies. Je sais plus du tout ce que ça fait que cette merde. Bon, écoutez. Voilà, voilà. La musique de boss me fait penser à une pub de parfum. Une très mauvaise pub de parfum, alors, parce que. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oulala, oulala, on va se calmer. C'était très bien sans vous. Non, j'avais un objet qui faisait apparaître 3000 familiers qui faisait n'importe quoi. C'est un principe bizarre. On n'oublie pas qu'on avait ça ici. Du coup, je vais en profitax. Wow. Le plus drôle, ça reste celle du magasin quand même. C'est vrai que celle du magasin est vraiment pas adaptée à un magasin, quoi. Enfin, je trouve. Après tout, est-ce qu'il y a une musique qui adapte à quelque chose ici? Salut, Outiezd. Outiezd. On est pas du tout, on est pas du tout dans un magasin, là. Ah! Alors, du coup, c'était Salut Triven qu'il fallait que je lise, hein, parce que Outiezd, il venait après. Oui, je lis dans le futur, c'est comme ça. C'est moi, il a de plus en plus de barbe. Et oui, la puberté, enfin, à 17 ans, quand même. Il fallait bien que ça arrive. Ah, catacombes. Catacombes qui ont une sacrée gueule. Et voilà, là, on a une. Là, j'ai l'impression que niveau musique, d'ambiance, ça va mieux, là. Voilà, on va en mettre un peu plus, histoire de profiter. On est dans une vieille. Oh là là, merde, on est dans une ambiance de vieille boîte gay des années 90. Qu'est-ce que c'est une vieille boîte gay, toi? Ah bah dans les années 90 surtout. Oh putain, mais quelle horreur! Ah, je me barre de là! Oh merci. Mais. Oh putain, alors si dans cette VOD j'ai pas mis un titre en rapport avec la musique, je ne comprends pas. C'était dégueulasse! Oh merde, oh le retour de la musique copiée sur les dents de la mer. Oh là là. On peut pas désactiver la musique d'un mode, c'est incroyable. Oh là là. T'es gueule. Le mec, on lui a dit, mec, fais-moi une musique bien stressante. Qu'est-ce que tu connais de stressant? Les dents de la mer. Ouais, vas-y.
Non mais non. S'il vous plaît quoi. Quand vous samplez quelque chose, faites-le bien. Ah! Oh, ça me déprime. Ça me déprime des musiques aussi pourries. Parce que... J'ai esquivé son tir? Je crois que j'ai esquivé son tir. Ah, c'est ça le bandana. Le bandana, ça fait qu'on a une chance sur quelque chose de... d'esquiver le tir ennemi. Et plus on a de chance, plus ça influe sur cette chance d'esquiver les tirs. Et non seulement on esquive le tir, mais en plus on attaque l'ennemi. Du coup, c'est plutôt bon plan étant donné que j'ai 3 de chance. Ah putain, mais oui, mais vous tirez 3 fois aussi si vous tiriez qu'une fois à la limite. Ok, mais là c'est abusé. Putain, je vais me faire détruire le fion par 2 vers de terre. C'est dégueulasse. Bah ouais. Sauf que c'est pas les vers de terre, en fait, plutôt je les connais, c'est les nouveaux vers de terre encore plus chiants qui tirent le laser. Gros bâtard. Oh oui. Franchement, il tirerait qu'un seul laser, je serais pour. Hein. Mais 3 quand même. Il suffit que t'en aies 2 à 2 coins radicalement opposés, et là c'est dur de pas te faire nickel cul. Nickel cul. Très bizarre ce qui se passe. Par pitié, donnez-moi du damage. Donnez-moi quelque chose. Parce que là, depuis tout à l'heure, j'ai de la musique de merde, mais alors du damage, il y en a pas. Hein. Ah, ça c'est composé des musiques, mais... Non, justement, ça c'est pas. C'est méchant, quand même. Depuis tout à l'heure, on se moque, mais... Fais mieux, et après, tu critiqueras. Ah, non. Wow. Ah mon dieu, Bluebird Wazel, salut Bluebird Wazel, 2 mois. 2 mois que tu dépenses ton argent en vain, et ça c'est bon. Bullybug, si vous voulez me soutenir, il est largement mieux de faire des dons. Parce qu'en fait, bah, sur les subs, je ne touche en rien. Voilà, l'info... l'info... Ah! Moi qui voulais du dégât, on a du dégât, on a IPCAC. Vous avez dit risqué? Non. Je ne prends jamais de risque. Je sais ce que je fais. En réalité, je regrette un peu. Mais pas bien joué ça. Là, on joue dans le danger quand même. Hein. Un petit IPK que. Mon doigt, du coup, il est beaucoup plus puissant aussi. C'est vrai qu'il faut prendre ça en compte. Mon doigt est devenu beaucoup plus méchant. Vous voyez ce doigt il peut vous faire très mal maintenant. Attends. Ah ouais, mon doigt c'est carrément mieux. Ah ouais, d'accord, ah, je peux les tuer par le pouvoir de la tinikizi du doigt. Une tinikizi. Vous aussi apprenez à articuler. Ah, le doigt du jugement. Putain, mais en fait, hé, ce serait un pur défi d'inventer ça. IPCAC, le doigt et le bandeau qui fait qu'on peut pas tirer. Du coup, t'es obligé de te battre avec ton doigt comme ça, de pointer les ennemis. Oh, ce serait ouf. Ce serait un super bon défi, en vrai. Let's go. Faites ce défi. Créez ce défi et je le ferai en live. Seulement s'il est bien. Seulement s'il est équilibré. S'il est trop pété, finalement, ne le faites pas. Ah, cool. Zhongman ou Zhongman? Je sais pas trop. Pas pour son roadman. C'est Maxime. Salut à ceux qui nous ont rejoints entre temps. Des bisous, vous êtes 3 millions. Parce qu'il faut pas que je lise combien vous êtes. Pour préserver le mystère pour YouTube. Pour qu'ils ne le sachent pas. En tout cas, vous êtes là. Toujours rien. Mon doigt. Le défi point and click. Bah, franchement, ouais. Pas mal comme nom en plus, hein. Pas mal vidouillé. Bravo. Encore Genman, mais arrête. Savoir les salles secrètes, ce sont pas. Ouais, ça aussi c'est sympa quand même. I see the future. The Emperor. Est-ce que
Oh, vous familier. Ça là. C'est quoi, c'est une bébé Eve? Imaginary girlfriend. Elle fait des tirs. Des tirs normaux en fait. Hein. Ah, quand on s'éloigne d'elle, elle fait des tirs chelous. Ok. Bah écoutez, pourquoi pas. Elle fait tir rose, il doit être plus puissant, je suppose. Bizarre comme principe. Mais j'aime bien. Speed limit up. Ah putain. Ah oui, d'accord. Ah donc ça te donne le max speed comme ça direct. C'est une nouvelle pilule là. Hein. J'éteins le feu avec mes doigts. Meilleur pompier du monde. Là, voilà, c'est quoi ce mec? Pas très gentil ça. Mais c'est eux qui sont pas gentils. Oui. Oh, allez. C'est la baraka. La baraka frite. Encore? Mais ouais, mais j'ai pas envie de passer le niveau, moi. Est-ce que ça peut faire autre chose que juste passer le niveau, ce machin-là? Est-ce que, genre, on peut arriver dans un nouveau, une nouvelle dimension? Je crois pas, hein. Mais, dans le doute. On peut le détruire? On dirait pas, hein. Zek, il insulte le feu et il se calme. Il pointe le feu et bim, plus l'incendie. Mais oui. À côté de ça, Sam le pompier, elle a qu'à bien se tenir. Sam le pompier, quoi. Le pompier. Hein? Le pompier. Le pompier, oui. C'est un pompier qui répare... C'est un pompier qui répare la tuyauterie. En soi, c'est vachement pratique. Un pompier? Bah oui, un pompier, c'est vachement cool. Il répare le feu et les fuites d'eau. Quand même, il y a du ski là. De la merde. Oh, de la merde aussi. Ah, mais merde, j'avais 3000 batteries aussi. Quel con. Pour le son, je pense que le mec a frappé son pénis sur les instruments. Merci. Merci pour cette intervention. Ah! Ah. Comme d'habitude, on reprofite à nouveau de cette nouvelle soundtrack de qualité. Au premier étage, à la limite, je comprendrais une ambiance comme ça, et encore. Mais là, non, on est quand même au sixième étage, là, où on commence à rentrer dans le vif du sujet, à avoir des ennemis un peu vénères. Et t'as une vieille trompette en sourdine, là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est bien dégueulasse, hein. Ah, puis alors, à la batterie, t'as Jojo la moustache, là. Jojo la moustache, je sais pas, j'ai inventé. Meilleur batteur de son temps. Il ne passe ses instruments qu'avec sa bite. Et ça se sent. Ça se sent. Ça se sent. Ouais, ouais. Si ça se sent, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il tire pas. Merci beaucoup. Je suis au bout de ma vie. Cette soundtrack est vraiment nulle à chier, c'est terrible. Putain, sans déconner. D'habitude, quand on dit ouais, moi je pourrais faire mieux, c'est un peu ironique et en vrai, ce serait pas le cas. Mais là, quand même, si. Là, je suis là, si. Qu'est-ce que. C'est quoi, hein? Ah merde! Ah, j'ai pas de texture, je suis invisible. Sauf mon stuff. Ah, c'est stylé. Donc c'est juste graphique, ça augmente pas mon attaque ou quoi. Voilà. Mais j'ai l'impression que la musique est encore trop forte. Alors qu'elle est à un niveau normal. Sauvez-moi. T'as pas envie de l'entendre, hein. C'est ça. Sauvez-moi. Ah, enfin. Je m'étais pas encore fait taper dessus par mon propre truc. Je tape pas dessus.
la pilule, l'enculé. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'a niqué tous mes cœurs rouges et mes cœurs gris. J'ai plus qu'un cœur rouge. Qu'est-ce que... Putain. Oh, les pilules, elles habitent. Là, j'appuie sur bas. Là, j'appuie sur haut. Oh, putain. Les mots... contrôles inversés. Ouais, attendez. Attendez, attendez. Ça sent quand même la pilule la bite un petit peu comme rétrovision, ça. Voilà. C'est bon. C'est bon. Donc, c'est un peu comme rétrovision. Si vous, si vous faites exit et vous revenez, vous avez contrôle normaux. Putain, j'ai plus qu'un point de vie. Et j'ai hypercac. Oh, merde. Donnez-moi de la vie. Oh, putain, et puis la soundtrack de merde. C'est l'enfer cette partie. C'est fait pour te faire perdre tes moyens en fait. C'est ça. C'est totalement fait exprès. Hein. Putain. Faux ça. C'est... Qu'est-ce que... Est-ce que c'est censé être une cigarette allumée ou un joint? Tu as peur? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est putain de passé? D'accord. J'ai rien compris. J'ai gagné un cœur et j'ai perdu en vitesse de tir. Ce qui fait que mon IPK qui est lent comme un cul maintenant. Soit. Soit. Qu'il en soit ainsi. Qu'est-ce que je vous dise. Qu'il en soit ainsi. C'est la trompette qui a servi à faire la musique. De quoi? Du coup, je ne sais pas, je suis pas sûr de comprendre cette balle. Oh, putain, partons, partons. Ah, voilà. Oh, putain. Health way up. Oh, oui. D'accord, donc j'ai eu la pilule Health way down tout à l'heure qui m'a foutu dans la merde, mais là, j'ai la pilule Health way up qui met 2 HP up en même temps. Et qui, en plus, soigne un petit peu. C'est ouf, ça. C'est un petit peu abusé par contre. En même temps, le Health Way Down était vraiment dégueulasse aussi. Ok, bon bah écoutez. Wow, le mec il m'a tiré 75 000 larmes à la fois. C'est quoi ce mode? C'est quoi ce mode, putain? Les mecs ils ont fait n'importe quoi avec tout en fait. Ils ont créé des ennemis qui font 75 000 tirs. Des musiques qui veulent rien dire selon là où t'es. Je veux dire, là on est clairement dans une ambiance sombre. Pourquoi on a une... Pourquoi on a cette ambiance sombre? Les gars, quoi? Ouais, les dégâts du loup sont potables. Hein. Ouais, non, en vrai, je pense qu'un défi où on aurait que le doigt avec IPK mais sans pouvoir tirer, ce serait vraiment sympa. Je pense que ce serait bon délire. Ce serait peut-être un petit peu trop facile quand même. Pourquoi je l'ai pris? Je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai que j'ai le truc qui fait que mes cartes se doublent. Très bien, ça me va. Ah, baiser. Je suis blasé au plus haut point par cette musique, vraiment. Là, on a le combo gagnant. On a les salles secrètes, 7 étages et bientôt le magasin. Voilà. C'est quoi ce truc-là? De l'eau? Chemistry Kit, Colorful Fires. Les feux sont pleins de couleurs. Ça à quoi? Oh, c'est cool! Les feux ils donnent des bonus maintenant! D'accord! Oh, c'est plutôt marrant comme, comme invention. Pour le coup, c'est plutôt inventif et sympa. Ok. Wow. Ça veut dire que dans les salles où il y a plein de feux, ça va être l'ambiance.
moi de cette soundtrack. C'est immonde. Des feux champions, bah c'est ça un peu. J'ai trouvé un défi avec le doigt, mais sur les Pokéx où t'es blind et t'as des objets pas trop cheatés, ça s'appelle Pointing is Rude. Ok. Ouais, ça, bah, ça peut être sympa, oui, parce que je pense qu'équiper Pokéx c'est peut-être trop facile. Pointing is Rude, c'est marrant. Ouais. Faut pas montrer le doigt. Ouais, bah oui. Ouais. Du coup, c'est rigolo. Mais ouais, parce qu'avec équiper Pokéx, il y a moyen que ce soit beaucoup trop facile. Mais ouais. Ouais, ouais. Ça peut être un truc marrant à faire en vrai. De la fortune, en tout cas. Ah d'accord, ah oui, il peut exploser carrément. Salut de Skazmortier. Ah oui d'accord, ça déconne plus quoi. Les feux ils donnent vraiment masse de trucs. Putain, j'ai que des cœurs rouges. Je sais pas si c'était une bonne idée de faire ça. Eh oui. Wow. Salut Sumper. Bah écoutez, voilà, j'aurais pas de deal, c'est comme ça. C'est vraiment pas bon. Il faut qu'on se tape la même musique sur les deux étages en plus. Ça c'est moche. C'est quoi ce... C'est moi, le bruitage de ce truc-là était mille fois plus fort que les autres. Je reste pas ici. Même si ça pouvait peut-être être intéressant de d'éclater tous les trucs. J'en peux plus. Oui, donc c'est vraiment des feux champions qui lorsqu'ils sont détruits, ont les mêmes propriétés que les champions. C'est marrant. Par contre, impossible de... Impossible d'arnaquer et de passer, tant pis pour moi. Vous me le passerez pas. Putain, le bloc de 30 000 mouches. C'est pas abusé ça, monsieur. Est-ce que vous êtes prêt à repasser dans les barguets des années 90? Ça, il faut la mettre à l'onf. Je peux pas laisser ça. Ah oui, sympa. D'accord, les mecs, ils ont inventé le principe révolutionnaire du double cœur blanc quand tu le prends, t'as un H-pop. D'accord, ok. Un petit peu abusé, les mecs, quand même, vos trucs, des fois. Hein. C'est déprimant. Tous les spells de l'univers. C'est n'importe quoi. Le pire mieux que le jeu est Messia qui chante à la place. Je suis pas sûr qu'on les gagne vraiment au change. Dis donc. Oh là là, quel enfer. Et donc c'est confirmé, ce monstre, lorsqu'il meurt, a un bruitage 100 fois plus fort que les autres. Arrêtez avec les cœurs blancs. On a dit qu'on l'arrêtait. Je m'emmerde. Arrêtez cette musique. Voilà. Le vieux xylophone. Merci beaucoup. Pertro, voilà, Pertro, ça c'est bien. Pertro, c'est bon blanc. Voilà, ça va. On va faire du cul, comme dirait un certain MV. Ah bah là, oui. Je pense que si MV devait être face à des musiques aussi pourries, il peut être inquiète comme moi. Je suis pas sûr qu'il apprécierait.
Allez, on meurt, on décède. Ma foi. Allons-y. Là, il y a un peu quelque chose là. Ou convert to damage. Oh, on peut convertir les HP contre du dégât. D'accord. Ouais, enfin, étant donné que j'ai... comment dire... Et déjà énormément d'attaque, ça ne me sert plus à grand chose. Spicy chicken. Quoi? Ah, j'ai les mouches. Ça n'a aucun sens. C'est le smiley... c'est le smiley de la main. Qu'est-ce qu'il fout? Ça m'a donné plus 0,66 de dégâts. Ok. Écoutez, PKP. Bon, pas ouf. Ah, on a la vraie patte de Guppy pour le coup. Ça en prend avec plaisir. Un peu plus encore. Voilà. Et la tête de bouc. Tête de bouc. The Void. Du coup, qu'on ne va pas prendre parce que bon. Ça sert pas à grand chose. Et Pertro. C'est quoi? C'est une corne ça? Là, tu devras après le VOD toucher à la VOD touche à Rectal. Pourquoi? Mega Satan's Horde, Mega Blast Your Foes. Ça change rien du tout. C'est peut-être je charge peut-être un laser au bout d'un moment, mais Attends, là on va tester. Mega Blast. C'est quoi, ce serait comme un genre de brimstone? Ah, en même temps on voit rien aussi. Bon bah écoutez, voilà. Non, ramasser un objet, on sait pas ce qu'il fait. Merci à tous. Touche rectal, mais parfait, mais pourquoi parfait? Mais non, il faut un truc par rapport à la musique. Qu'est-ce que... Bisous l'Arbris. La musique, ce n'est pas appuyé n'importe où, n'importe comment. S'il vous plaît. Tiens, on va tester ce que ça fait. Qu'est-ce que... Je viens de tuer le tuyau, là. J'ai pas compris. Ah, ça... Alors, je sais pas si c'est la musique ou juste moi, hein, mais je commence à avoir mal à la tête, vraiment. Puis là, faut dire que c'est agressif pour les yeux aussi. C'est agressif, hein, c'est rouge pétant. Oh, c'est... A chaque fois, tu te dis, mais comment est-ce qu'ils peuvent... Comment est-ce qu'ils peuvent encore me surprendre? Et ils arrivent... Sauf moi. Ça sert à quoi ce mec qui tape sur un bambou là? Pou 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 pou. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. T'es dans la chatte à ta mère, pourquoi est-ce que t'as un mec qui tape dans un bambou? Putain.
C'est quoi le putain de sens de cette soundtrack? Ah. J'essaie d'aller dedans, je vous jure que j'essaie d'aller dedans. Je sais pas comment ça marche ce machin là. Mais tu peux m'expliquer pourquoi tu répands ton sperme dans la pièce? Ce n'est pas moi. C'est le procureur qui le dit. C'est mon familier qui fait ça. Quel enfer. La musique a changé pour les boss? Attends, elle a changé? Je m'en rends pas compte si elle a changé ou pas. J'ai l'impression que j'avais pas entendu ça là. Je sais pas, j'ai pas envie de savoir en vrai. C'est passé quoi au niveau de l'animation exactement? Ça, je sais pas ce que c'est. Un prospect. Ah si, je savais ce que c'était. Ok. Alors du coup, bah, vous allez pouvoir constater juste après ce que c'est. C'est l'objet le plus ouf du monde pour faire un speedrun. Qu'est-ce que... C'est un épi de maïs, ça? Oui, c'est ça. Caca Monsters Horn. C'est une référence à quelque chose, mais je l'ai pas. Mais je vous jure qu'elle est là. Et donc, un prospect, c'est en gros, bah, dès qu'on commence un nouvel étage, on a l'effet de la carte Umpror, donc on est téléporté au boss direct. Donc si vous êtes dans un petit speedrun, bah écoutez, n'hésitez pas. Parce que du coup, vous pouvez littéralement faire un boss rush avec ça. Et du coup, ça fait que si je fais Ziosh, je peux téléporter à Ziosh. Sinon, je peux pas, oui. J'ai beaucoup trop de temps. Lay on ends. Ah, ça m'a donné des trucs apparemment. Ok. Pas extraordinaire. Du coup, est-ce qu'on a envie de faire le reste de l'étage? Oui, quand même un petit peu. Allez, pour faire plaisir au jeu. Pour vous dire qu'on aime bien jouer. Tu vas toucher ta mère avec ton doigt, dit comme ça, c'est sale. Effectivement, si vous pouvez éviter de dire ce genre de choses, du coup. Comment s'appelle le mode? Ce sera écrit dans la description. The Banico Isaac Harvester, un truc comme ça. The Harvester. Bon, écoutez bien, écoutez bien. Vous l'entendez là, le mec qui tape sur un bambou? Tape sur un bambou et c'est numéro 1. Ce sera pas numéro 1 du tout. Crypt of the Caca Dancer. Je suis pas sûr que ce soit ça. On va y aller quand même. Je sais pas ce que t'as linké Droid Aster, mais faut que j'aille voir ça. Le mec, il a fait littéralement une MV. Il a pris une musique et il a fait Isaac dessus. Tu veux écouter un peu, ça y est? Vas-y, écoute. Je veux qu'on voit ta réaction. C'est magnifique en dessous. C'est beau, hein? C'est dégueulasse. Oui. Ouais. C'est absolument immonde. Et dis-toi que je me tape ça depuis tout à l'heure, des musiques de ce style-là. On a vu que ça va. Ah, il y a une évolution. Ah ouais? Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont branlé? Putain, je veux plus jouer à ce jeu.
Je veux plus jouer. J'ai plus envie de jouer. Quel enfer. YTPMV touche ta mère. C'est ça. Littéralement. Putain. Ah mais du coup, ah bah oui, putain. Du coup, je fais un speedrun sans le vouloir à cause de ce putain de Emperor's Pact. J'ai pas du tout fait l'étage. Isaac. C'était l'enfer. Ah, du coup, si on veut rallonger un petit peu le plaisir, on peut. On a The Void. Ah, ils ont pas fait de nouvelle musique. Oh, ça, ça fait plaisir. Ils ont laissé les musiques tranquilles. Ah, yes. Merci infiniment. On va garder Hangman. Ils ont pas aimé le doigt. Ah, merci pour la musique. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? D3, reroll tiers. D'accord. Merci pour l'utilité du truc. Oh là là, il y a beaucoup trop de feu ici. Ah, ça lag, ça lag, ça lag. Très confus ce qui se passe à l'écran. On va prendre, c'est pas ouf mais on prend. Cette musique est insupportable. Hein? C'était quoi ça? Pourquoi ils sont tous grands? Je viens de me taper trois nouveaux boss d'un coup ou 4? Qu'est-ce que c'est? D'accord, je me tape 4 nouveaux boss d'un coup, mais je suis tellement fort que bon. Oh, plutôt sympathique, ouais. Oh, les mimi. Ça a l'air d'être l'enfer en vrai, ça. Ce boss a l'air d'être en enfer en temps normal. Hein. Je pourrais pas dire en enfer, d'ailleurs. Ça, c'est oui. Mais ça, c'est non. Ouais, ce n'est pas ouf non plus. Voyons voir ça. Oh, il est beau. Oh, oui, c'est pas mal en fait. Bah écoutez. C'est plutôt sympa. On va regarder les animales. Comme elle est limite quand elle vomit du sang. Va être mignon tout le temps. Arrêtez. Non. Nope. Par contre, ça oui. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Max the head, damage up. Oh good, plus qu'à pas. Encore. Ça ne s'arrête jamais. Pokémon. Pokémon. Voilà. C'est ça qu'on voit. Oui, je ne sais pas pourquoi je continue, mais... Ah merde. Du coup, je me demande, est-ce qu'il a changé la musique de The Void? J'espère qu'ils n'ont pas changé la musique de The Void. Parce que sinon, on va l'entendre très longtemps.
Oui, vas-y. Kata. Tatata. Ah bah non, j'ai utilisé toutes mes deux. Oui, ma vie. C'est lui, Valan. Valan. Voilà, c'est lui, voilà. Oh, qu'est-ce que t'as? Alors, je sens que ça peut être intéressant de faire des gains de humidité. Si je les garde, bien sûr. Y'a pas une grande salle ici. Ah, y'a pas de grande salle, je suis en pelague. Vous inquiétez pas, je sais où l'utiliser. Exactement. Yes. Vraie question, à quand du Zelda? Alors, au risque de vous décevoir, Zelda, il n'y en aura plus. Ou quasiment plus, parce qu'en fait, bah, j'ai battu, j'ai quasiment tout fait. Il ne reste plus qu'à battre Ganon, donc on va vite se faire chier. Sur Zelda, en tout cas. Je sais pas ce que je voulais faire, mais écoutez... Qu'est-ce que c'est que ce machin? Dad's Helmet, you feel a bit protected. Merci. A bit. Oui, bah oui. Il est beau ton laser. Il est très joli. Il est très joli. Très joli, si vous le savez. Oui, il est très joli, beaucoup. Bon, ils ont pas changé la musique, déjà c'est une bonne nouvelle. Oui. Bah je ne dirais pas ton pseudo. Il va. Fais des parties de merde. C'est surtout difficile de moi sans le son en fait. Ah oui, mais tu pouvais pas mettre un petit écouteur. C'est lequel sont les chercher. Tu veux quelque chose? J'ai pas d'idée donc non merci. Merci, c'est très gentil. J'adore la bonté humaine. Autant vous dire que ce mode était sympathique mais on va peut-être pas le remettre après. Hein. Il est sympa mais je pense que j'ai pu le remettre. En fait, il faudrait qu'on puisse désactiver la musique du jeu. Genre désactiver juste la musique du mode. Et garder tout le reste. Enfer. Est-ce qu'on dit, je me demande ce que Ganon est en train de faire. Non, bah voilà. Ouais, mais ils disent Hyrule. Et alors que dans Zelda Breath of the Wild, ils disent Hyrule. Donc au bout d'un moment, faudra quand même faire chier. Les mecs, ils sont même pas cohérents dans leur propre univers. C'est-à-dire qu'ils prononcent un truc à l'anglaise et un autre truc à la française. Donc bon. Au bout d'un moment, les comédiens de doublage, faites bien votre boulot. Mais pourquoi? Pourquoi à chaque fois que je veux le prendre, il se fait niquer? I don't understand. What the fuck? Bon, il est où le bâtard? Arrête, c'est bien de dire, on n'entend plus tout le temps, c'est trop si, c'est vulgaire. C'est à cause de toi. Non, de joie, non. Je suis pas d'accord. Allez, fais le CD. Je vous jure que normalement, cette salle est imposante. Exploser. Les comédiens de doublage sont excellents dans Zelda. Non. Ça dépend lesquels. Non, ils sont pas excellents. Ils sont plutôt bons ensemble. Pourquoi ces feux-là, ils sont pas champions? Tu verras, c'est ça. Ah, puis en plus, ils donnent rien. Bah, super. Officiellement, les CDI sont pas canons. Ah oui, bien sûr. Bien sûr qu'ils sont pas canons. Ils ont été faits contre la volonté de Nintendo. Bah disons qu'ils... S'ils avaient pu ne pas les laisser sortir, ils l'auraient pas laissé sortir. Voilà. Ouais, ah d'accord. C'est eux qui l'ont autorisé de base, hein. Bah en fait, ils ont pas trop le choix. Je sais plus exactement c'est quoi l'histoire, mais en gros, ils avaient autorisé... pour faire des trucs sur CDI, puis en fait ils ont pas assumé à la fin, mais malheureusement les contrats étaient déjà signés, donc bah du coup, voilà, les mecs en gros ils ont pu faire ce qu'ils voulaient avec les licences Zelda, quoi. Et Nintendo pouvait rien dire. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est le smiley. Tears up. Ok. Écoutez, moi ça me va. Ça que je le pas. Ils font pas galon, LOL. Désespéré un peu. J'aime bien les gens qui se font rire eux-mêmes. Ouais. Oh
un jeu Mario et 3 jeux Zelda pour être plus précis. Oui. Je me demande s'il n'y a pas eu un autre jeu Mario absolument honteux, genre un jeu éducatif à la bite. Genre à la belle bite, hein. Pourquoi les jetons d'araignée, elles sortent d'eau? Ah mais oui, c'est parce que j'ai le tir... Le tir couille. Le tir couille qui transforme mes larmes en couilles et qui du coup... Avec l'IPK que ça marchait pas très souvent. Mais là, avec ça, ça marche. Et du coup, quand les couilles frappent l'ennemi, ça fait des araignées. Bon, la légende raconte qu'en fait, ce ne serait pas des couilles. Mais moi, j'aime la pensée de ça. Pour moi, les couilles sont canons. Les couilles? Ouais. Les couilles sont canons. Ah. C'est comme ça. Mais pour les quêtes, hein. Encore une fois, merci. Magic Mushroom. Oh, je l'avais pas déjà eu. Ah non, c'est la partie d'avant. Je sais plus. Putain, je suis immense. Je suis dégueulasse aussi. C'est toi, hein. Bonjour studio. Salut en magasin. Bienvenue. Yes. Gros combat. Ah, ça c'est oui. Ça c'est oui, il faut être deux. C'est quand même mieux le poisson. Ah oui. Que c'est le même poisson. Alors je suis pas sûr que vous entendiez quand elle parle, mais... Elle va encore parler doucement comme ça en plus. Ouais, ça doit pas être... Nah. Et de la source mal, au revoir, de la source mal. Ok. C'est l'adversaire, au revoir. Ça mérite d'être assez expéditif à chaque fois. Ça le mérite d'être assez expéditif. Voilà ce que j'étais en train de dire. C'est au revoir. C'est vrai que là on est dans les combats qui ne sont plus très passionnants. Pas non plus se cacher la vérité. Encore un HP, mais je m'en bats les queues. Il y a une fille qui dit putain de merde, mais c'est quoi ce stuff? Il est sympa. Si tu veux, c'est un EPK laser avec avec quelques tirs up, donc oui, c'est pas mal. C'est quand tu tires des bombes. Enfin, quand tu tires des tirs explosifs, précisément. Parce que les bombes, c'est Dr. Fetus. Oui, non, je sais pas. The Forsaken. Au revoir, The Forsaken. C'est quoi ça déjà? C'est HP up et tu voles? Ah non, c'est autre chose. D'accord, rien à voir. Ça ressemble à... Memories. Et on tire encore plus vite. La débandade. Allez, salut. Tiens, c'est Babylone. Bon, je le prends par respect, mais ça me servira à rien. C'est vraiment passionnant cette partie. Hein. Merci en tout cas au mod pour ces merveilleuses musiques. Merci pour ces beaux moments. Et voilà, on a hâte d'en finir parce que ça s'éternise. Et Delirium. C'est très impressionnant. Ben voilà. Tu vas pouvoir bien te calmer le cul. Where is you? Mais qu'est-ce que... Arrête de bouger. Ah d'accord, il se transforme en boss chelou aussi. Hein? Qu'est-ce que... Wouh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 
Et voilà, je ne sais pas comment terminer cette vidéo, donc je vais la terminer sur... je sais pas. Normalement, ça se terminera.